Shabalagada lama sabanta badavoski malagaduata. Raboske telebreke mavazandi briakata. Agonde le mekulanda valakuandi briakatabo. Beranta balavasante le mekilagata parande. O tanga bazi agadabada. Thank you, Jesus. Spirit to spirit, lighted by your word. With your bread of life, that's how I come my life. That's how you change my word. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, le Père Céleste m'envoie ce matin avec un message spécial pour toi. Rentrons dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. La Bible dit: et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Tu vois, la vie n'est pas les mêmes. Nous ne sommes pas égaux dans la vie. Même si tu vois nos cinq doigts n'ont pas la même taille. Ainsi va la vie pour tout un chacun de nous. Tout le monde a son temps sur la terre. Mais peut-être ce que tu traverses ce matin, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Tu as plein de soucis dans ton cœur. Tu as point d'interrogation dans ta vie que tu cherches des réponses et tu n'en trouves pas. Mais ce matin, l'Éternel des armées m'envoie vers toi pour te dire, il dit, décharge sur lui tous tes soucis. Quelle qu'en soit la taille de tes soucis, il y a une seule personne qui peut prendre soin de ta vie, qui peut changer ta vie, qui peut amener ta vie à la compréhension, qui peut donner un sens à ta vie, c'est Jésus. Mais quand tu cherches à prendre tes soucis toi-même, à te charger de tes fardeaux toi-même, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Tu seras toujours accablé par des soucis et des problèmes. Mais pour que tu puisses avoir la santé et la paix du cœur, la paix d'esprit, l'Éternel m'envoie ce matin te dire que décharge tous tes soucis, les soucis de ta famille, les soucis financiers, les soucis de ton mari, les soucis de ta femme. Peut-être tu pries beaucoup, tu as tout fait, jeûner, veiller, prier, tu as tout fait, mais il n'y a pas de solution. Le moyen sûr que le Seigneur m'envoie te dire ce matin que il faut que tu arrives à décharger. Vous voyez, quand une voiture, un remorque se charge de sable pour aller vider le sable à l'endroit propice, qu'est-ce qu'il fait? Il décharge, il laisse les charges, il laisse le sable là où ça doit être. Ainsi, l'Éternel m'envoie te dire ce matin, ce problème dans lequel tu te trouves et que tu pleures, les pleurs ne vont pas résoudre les problèmes. Tu sais, dans la vie, quand tu pleures, après avoir fini de pleurer, le problème est toujours là. Mais la seule solution ce matin, il dit, décharge tes soucis, tes problèmes à Jésus-Christ qui seul peut prendre soin de toi. Tu as fait confiance aux hommes, ils t'ont trahi parce qu'ils n'ont pas la capacité de te supporter. Mais la seule personne qui peut te supporter, qui peut changer ta vie, qui peut amener ta vie à la compréhension, qui peut te faire sortir des problèmes, c'est Jésus. Pourquoi ne pas faire confiance à Jésus? Pourquoi ne pas demeurer ferme à Jésus? Nous avons fait confiance à des gens sur cette terre. Ils nous ont trahis. Ils nous ont laissés derrière. Ils nous ont tourné le dos au moment où on en a besoin d'eux. Mais la seule personne qui est venue à notre cheveu ou bien à notre secours, c'est Jésus. Ce matin, si tu peux te décharger, tu peux tout décharger sur Jésus, tu auras la paix du cœur. Non pas seulement la paix du cœur, mais la solution à cet problème aussi viendra. Alléluia. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être tu es en train de prier pour te marier, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé ta fiancée ou bien ton fiancé. La seule personne qui peut amener la personne idéale, peut-être toi tu en as beau essayer de ta part, mais tu ne te retrouves que du cœur brisé. La seule personne qui peut t'indexer, la personne, peut-être la personne à qui tu dois te marier se trouve à côté de toi. Peut-être cette personne est pauvre, cette personne n'a rien aujourd'hui. Tu le vois qu'il ne peut pas prendre soin de toi. Laisse-moi te dire, si tu peux seulement te laisser conduire par le Saint-Esprit, demain tout sourira. Je dis bien que demain tu auras le sourire sur les lèvres. Et ceux qui se sont mariés devant, ceux qui te sont devancés dans le mariage, tu ne sais pas ce qu'ils traversent dans leur foyer, mais accepte le choix de Dieu ce matin. Tu auras la paix. Tu verras qu'il y aura la paix. Tu verras que les situations financières changeront. Tu verras que
problème de travail que tu traverses maintenant, est-ce que, laisse-moi te poser cette question, est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? N'est-ce pas que tu es appelé au ministère quelque part, mais tu ne veux pas te donner? C'est pourquoi tu cherches de travail de gauche en droite, tu ne trouves pas. Essayons de découvrir le plan de Dieu pour notre vie. Et lorsque tu décharges tes soucis sur Jésus, maintenant il te donne la réponse idéale. La réponse dont tu en as besoin, c'est lui qui possède. Que le Père très haut te bénisse ce matin. Je suis ton serviteur Joachim Adjanor. Tu peux me contacter sur le 913-687-82-93. Et si tu as des requêtes de prière, j'aimerais te rencontrer. Ou bien tu peux m'appeler et je vais prier pour toi. Je t'assure, l'Éternel va te toucher. Il changera ta vie. Je prie pour quelqu'un ce matin. Reçois la touche de l'Éternel. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'aide à te déverser complètement sur Jésus-Christ, qui peut changer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.